Muito boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar a vossa presença. É para vocês e é com esse sentido que organizamos este ciclo das conferências da garagem. E hoje temos connosco o sociólogo Jean-Louis Violeau, que tem vindo a desenvolver um trabalho bastante substancial no contexto e na crítica da arquitetura contemporânea e do funcionamento da arquitetura em Paris e no contexto francês. E foi uma marca extremamente importante do seu trabalho e também do debate do que é a arquitetura, uma publicação que resultou da tese de doutoramento dele sobre os arquitetos do Maio de 68 e o ensino da arquitetura em França, explicando e detalhando essa relação entre o campo sociológico, diremos assim, da cultura arquitetónica e a sua relação nos jogos de poder e na formação e na possibilidade de os arquitetos construírem ou não. E nesse debate tem também trabalhado bastante o Jean-Louis Violeau na questão da autoria e da definição do arquiteto como autor e da caracterização do autor e de como é que o autor se posiciona no meio e como é que esse posicionamento lhe permite chegar a determinados resultados construídos e mudar ou não esse campo. E essa relação entre a arquitetura e a sociedade é um dos aspectos que nos interessa particularmente nas conferências da garagem e na programação da Garagem Sul. E havendo uma parte do programa do Centro Cultural de Belém dedicado ao Maio de 68, pareceu-nos oportuno convidá-lo para nos contar essa história complexa e seminal da relação dos arquitetos com esse movimento e essa, digamos, essa dinâmica social e cultural de Paris e de França e que se expandiu em tantos pontos do mundo, e perceber como é que os arquitetos se posicionaram no quadro do Maio de 68 e que consequências é que isso teve para a prática da arquitetura e para a cultura em geral. Ao contrário de outras conferências da garagem, esta conferência é em francês. Temos tradução simultânea para quem a quiser traduzir para português. Creio que já vos deram os aparelhinhos para o caso. E é isso. A apresentação será em francês. O Jean-Louis Violeau foi também responsável por uma exposição sobre o Maio de 68 e o ensino da arquitetura na Cité de l'Architecture et du Patrimoine, em Paris. É professor na Escola de Arquitetura de Nantes e tenho o privilégio de estar aqui connosco hoje. Jean-Louis, excuse-moi de parler en français pour commencer, mais à toi. Merci André. Oui, donc on peut se demander pourquoi je me suis ainsi intéressé à ces événements, puisque je n'étais même pas né. Je suis né l'année suivante. Mais il se trouve que très vite, venant d'un autre univers, plutôt celui de la sociologie, et arrivant dans les écoles d'architecture, je me suis rendu compte, donc il y a quand même plusieurs francophones parmi nous ce soir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de véritable changement. J'entends changement au sens de changement de paradigme. Depuis les événements de 68 et les années qui ont suivi, hein, on a toujours tendance à voir l'événement écrasé,
ce qui le précède et ce qui le suit. Donc on dit mai 68 par facilité, mais je pense qu'il est, il est mieux de parler des années 68. Donc au cours de ces années, les mutations intellectuelles qui se sont produites dans le monde de l'architecture n'ont pas été foncièrement remises en question depuis. Ça fait un demi-siècle. Il n'y a pas eu de changement de paradigme, pour employer une expression scientifique issue des sciences sociales, de la sociologie des sciences. Il n'y a pas eu de changement de paradigme en architecture depuis un demi-siècle. Par exemple, le contexte en France est resté une notion incontournable. Vous pouvez poser un bâtiment avec le contexte, contre le contexte, acontextuel, non, anticontextuel, mais pas acontextuel. Vous êtes obligé de le prendre en compte dans l'élaboration de votre projet. Et ça, on peut dire que c'est un héritage des années 68. Il se trouve qu'une des raisons de la crise aux Beaux-Arts et dans le monde des architectes en général autour de 68 vient du côté en apesanteur des projets qui étaient proposés à l'École des Beaux-Arts, ancienne manière, avant son éclatement. Ça ne marche pas ? Quelques-uns marchent, quelques-uns ne marchent pas. On va faire le point. Oui, ça marche. Donc, je m'y suis intéressé en constatant ce fait-là, qu'il n'y avait pas eu de mutation majeure dans cet univers et que les grands accords et désaccords étaient plus ou moins restés figés depuis un demi-siècle. Je m'y suis intéressé venant d'un autre univers. Moi, je ne les ai pas vécus, évidemment, ces événements-là. Mais il se trouve que les acteurs qui étaient au premier plan dans ces années-là le sont encore aujourd'hui. Dans le Grand Paris de Nicolas Sarkozy, en 2008, sur les 6 équipes françaises qui étaient concurrentes, 5 étaient conduites par des figures de ces années-là. Roland Castro, Antoine Grimbach, Jean Nouvel, Christian de Porzempart, Yves Lyon. Il n'y avait qu'un seul membre de ma génération, c'est-à-dire de 50 ans, c'était Jamel Khelouche. De 50 ans aujourd'hui, nous en avions 10 de moins, donc 40 à l'époque. Donc c'est pour cerner un peu le poids qu'ont eu ces événements et la longue durée sur laquelle ils ont installé des rapports de force dans un champ architectural. Mon projet, quand j'étais jeune, quand j'ai fait ma thèse, c'était de transcrire la sociologie de Pierre Bourdieu à l'architecture, donc la sociologie des champs, et voir comment la sociologie, le champ réagit à des moments de crise. Et chez les architectes, c'était très facile d'en trouver un, c'était les années 68 et l'éclatement de l'École des Beaux-Arts. Pourquoi c'était très facile d'en trouver un ? Parce que les architectes en France, c'est quand même la seule profession libérale qui a tout déchiré. Les médecins ont fait, c'est l'expression qu'on utilise en France, les médecins ont fait mai 68. Il y a eu des dispensaires de médecine sociale en banlieue, il y a eu des médecins au pied nu. Mais les médecins, ils ont renforcé leur numerus clausus, c'est-à-dire le contrôle des entrées à la porte de leur faculté, en 1971. Et eux, ils avaient déjà leur CHU, leur centre hospitalier universitaire, depuis 1958. Donc ils étaient déjà à l'université et en plus, ils ont renforcé leur numerus clausus 3 ans après mai 68. Les magistrats, ils ont fait mai 68, entre guillemets. Il y a eu un syndicat qui est très célèbre en France, qui en est issu, le syndicat de la magistrature, comme il y a eu un syndicat de l'architecture. Mais le syndicat de la magistrature, lui, est resté. Le syndicat de l'architecture est quasi mort. Mais les magistrats, ils ont gardé leur grande école, eux, à Bordeaux, leur ENM, École nationale de la magistrature. Les architectes, eux, ils ont tout cassé. Ils ont cassé leur grande école, l'École des Beaux-Arts, qui était séculaire, qui existait depuis plus d'un siècle. Ils ont cassé leur concours d'entrée, leur numerus clausus, leur concours d'admission. Donc il y a eu une énorme entrée d'étudiants dans les écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, juste à la veille de 68, il y avait autant de candidats quasiment qu'à la porte que dedans. Il y avait plus de 2000 candidats à l'admission, il y avait 2800 élèves incorporés au sein de l'école. Donc de toute façon, il fallait changer les choses, mais peut-être pas aussi profondément que cela a été fait. Donc ils ont cassé leur concours d'admission, ils ont cassé leur grande école, et ils ont cassé leur prédrome, leur grand prix, le couronnement de leur cursus. Vous vous rendez compte que c'est une profession qui finalement déchire tous ses habits sociaux et qui redéfinit un nouveau rôle dans son inscription dans la société, dans la division du travail. Donc c'est très généreux d'une certaine manière, mais c'est une forme de suicide social aussi. C'est une profession qui ensuite a eu beaucoup de mal à retrouver le niveau de vie pour ses membres après 68. Aujourd'hui encore, si vous comparez le salaire moyen des architectes et le salaire moyen des médecins,
et le salaire moyen des avocats, ce n'est pas la même chose. Donc il y a une forme de générosité très très forte des architectes à ce moment-là, qui peut être aussi comparée à une forme de suicide social. Donc les architectes cassent tout de leur grande école, mais pour atterrir nulle part. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atterri à l'université. Ils sont restés dans une sorte de no man's land, dont on commence juste à sortir en France, là, c'est le temps dernier, puisqu'on s'aligne sur le statut des enseignants-chercheurs de l'université, 50 ans après, alors qu'à Vincennes, c'était la nouvelle université qu'on créait après mai 68, on créait des départements de théâtre, de cinéma, d'art plastique, de psychanalyse, d'urbanisme même, à Vincennes. On aurait pu faire un département d'architecture, c'était une ligne sur un décret. Non, les architectes ont cassé leur grande école et n'ont pas atterri à l'université. Donc il y a une sorte d'histoire aussi assez sombre, finalement, traversée de déception sur la suite de ces années-là. Nonobstant, enfin, sans négliger la réussite sociale de grandes figures de cette génération, dont je parlais tout à l'heure, Roland Castro, Yves Lion, Christian de Pozenpart, qui étaient tous très actifs dans ces années-là. Vous voyez, c'est une histoire un peu à double tranchant. En fait, on pourrait la lire sur le plan culturel, on pourrait la lire comme, je vais utiliser, le philosophe français Gilles Deleuze disait, c'est la marge qui tient la page. C'est la marginalité qui tient le cœur de la page. Bon, Solers, plusieurs années plus tard, relisant Guy Debord, disait, aujourd'hui, la marge est au centre. La théorie de la société du spectacle, le complot, en fait... La marge a été incorporée au cœur du système pour lui permettre de se renouveler. Je trouve que ces visions sont peut-être un peu justement complotistes. J'aime autant celle de Roland Barthes, qui parle de la culture et qui dit qu'il y a à la fois une sorte de fatalité de la culture et de limite de la contre-culture. Il dit ça dans un entretien en 1972. Il y a une fatalité de la culture dans le sens où la culture, telle qu'on l'appelait à l'époque bourgeoise, a toujours tendance à récupérer et à se nourrir des marges de la contre-culture. Et c'est cet éternel va-et-vient, cet éternel mouvement de balancier qui peut expliquer, par exemple, qu'en avril, mai dernier, l'École des Beaux-Arts a accueilli cette exposition des affiches qui avaient été imprimées en son sein 50 ans plus tôt pour la contester elle-même dans son institution. Donc, fatalité de la culture, finalement, et limite de la contre-culture. Parce qu'à partir du moment où les cultures alternatives à la culture dominante, se sont trouvées périmées, donc récupérées, lorsqu'elles sont allées dans le même sens, c'est-à-dire un sens parallèle à la culture qu'elles prétendaient modifier, subvertir, contester, la culture dominante, finalement, cette histoire a trouvé son terme à ce moment-là. Vous savez, quand on parlait de contre-culture, on parlait de contre-culture dans les années 1970, ensuite on a commencé à parler de culture alternative, et puis pour finir, au début des années 80, on a parlé de culture parallèle. Au fond, ça résume assez bien la trajectoire de cette génération à travers l'évolution de ces définitions de la culture. À partir du moment où une culture devient parallèle, ça veut dire qu'elle est parallèle dans le sens de la culture qu'elle prétendait contester. Et c'est un peu cette histoire-là qui était racontée dans cette exposition, que j'ai beaucoup aimée, mais qui était un peu en bas, c'était un peu l'église, le plafond est encore plus haut que dans cette salle, avec des toiles de très grand format, et puis en haut, sous la mezzanine, c'était un peu le catéchisme, on avait toutes les stations obligées, le MLF, le mouvement des femmes, le mouvement des homosexuels, l'IP, les usines de montres autogérées en France, le LARSAC, l'agriculture alternative, le mouvement contre les prisons, le mouvement contre l'avortement. On passait à chaque fois sur une petite niche qui présentait quelques livres et qui nous montrait les stations d'une histoire désormais un peu figée. C'est un peu l'endroit où je voulais en venir. Alors, chez les architectes, nous avions essayé, nous n'étions pas plus malins que mon collègue historien Philippe Artière aux Beaux-Arts, nous avons aussi plus ou moins figé les choses. On ne peut pas dire que tout le monde montait sur les tables ce jour-là dans cette exposition. Nous avons essayé de tirer plus les choses vers un côté écrit, livresque, moins spectaculaire. Alors, certes, les 21-29-7 tapés à la machine de l'époque n'étaient pas forcément a priori très séduisants, mais nous voulions garder un peu des idées, si vous voulez, de ces années-là.
et mettre l'accent notamment sur les publications, puisque en France, c'est quand même un moment tout à fait particulier de la vie intellectuelle. Et ça explique une partie du mouvement chez les architectes. Hein. Je pense que la France n'a jamais été aussi intéressante que dans les 10 années qui ont précédé et qui ont suivi mai 68 sur le plan des idées. Bon, il se trouve qu'ils sont presque tous morts aujourd'hui, ils sont tous morts. Enfin, ils sont en train de mourir, les derniers. Il nous reste Alain Badiou, allez, mais... l'indestructible Alain Badiou, mais il se trouve qu'ils sont, ils ont quasiment tous disparu, mais il n'empêche, ce moment-là a été aussi un moment très important sur le plan du mouvement des idées. C'est ce qui explique aussi une partie du mouvement aux Beaux-Arts. Hein. Les architectes souhaitent devenir des intellectuels à ce moment-là. Bon, et c'est ce qu'on a voulu retranscrire un peu dans l'exposition que nous avions de notre côté organisée à la Cité de l'architecture. Voilà, ce tableau qui résume bien... mais qui était satirique hein, à l'époque, Althusser qui hésite à entrer, on le voit derrière, tout timide et perclus de problèmes psychologiques qu'il était déjà, dans la datcha de Claude Lévi-Strauss où se trouve assis Michel Foucault, et derrière, debout en arrière-plan, Jacques Lacan, et celui qui apporte le thé, c'est Roland Barthes. Donc voilà, il y avait cette idée-là, enfin ce moment des idées qu'on voulait faire réapparaître. Ce tableau-là était exposé aux Beaux-Arts, nous n'avions pas la chance de l'avoir à la Cité de l'architecture. Alors, voilà, c'est une trajectoire, si vous voulez, c'est une trajectoire un peu idéal typique, hein, vous connaissez la définition de l'idéal type de Max Weber, c'est celui qui présente tous les caractères du moyen en hystérisant une part de ses contenus. Ben, Roland Castro, c'est un peu ça, c'est la moyenne de la génération militante de mai 68, tout en les portant un peu à son paroxysme à chaque fois. On a Roland Castro tout jeune, c'est un bal à l'atelier Albert, finalement, qui est dans le folklore de l'atelier des Beaux-Arts, qui se prépare à un bal masqué sur la chute de l'Empire romain. On a Roland Castro qui présente ses projets pour banlieue 89 à François Mitterrand, et puis Roland Castro qui présente à Emmanuel Macron... ses vues sur la ville et l'urbanisme, et donc un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, est passé en chemin. Et bien l'homme reste toujours un personnage central, finalement, de la vie publique et de la vie de l'architecture et de l'urbanisme en France. Caricaturé, ça va de soi, c'était une caricature dans Charlie Hebdo, mais il n'en... très, très critiqué sur les réseaux sociaux par les gens de mon âge, par exemple, mais il n'empêche qu'il n'y a pas eu de changement de paradigme depuis. Il faut bien se rendre à l'évidence. Moi, j'ai commencé ce travail il y a donc 25 ans, oui, 25 ans maintenant, et quand je l'ai commencé, ben, j'avais 25 ans de moins, et je me disais, oui, il faut commencer à faire l'histoire de ce moment, puisque les choses vont forcément, par la physique des générations, évoluer, bouger. Bah, j'ai vieilli, j'arrive à 50 ans, et les choses n'ont pas particulièrement bougé, ma foi. Mais il faut faire avec, et s'y insérer, et trouver sa place. Bon, ça donne tout un tas de caricatures, là encore, aujourd'hui, dans la société française. Mais 68 est un moment très présent. Mais en même temps, en fait, c'est un moment qui traverse toutes les têtes, qui donne lieu à des dizaines, même des centaines de parutions, comme au printemps dernier, mais qui font rarement des best-sellers, ceci dit. Donc c'est un moment un peu ambigu. Alors, chez les architectes, il y a ce film auquel je pensais, de Maurice Pialat, qui filme la banlieue en 1960. Pourquoi les choses ont-elles été si violentes par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des architectes qui déchirent tous leurs habits sociaux ? Ben, en fait, on peut lire les événements de 68 comme une révolte des architectes contre l'État, mais avec l'État. Je dirais tout contre l'État. Mais ça a souvent été un peu leur position, sociologiquement parlant. C'est Viollet-le-Duc qui disait que l'architecte, en substance, dans ses entretiens sur l'architecture, que l'architecte était un dominé chez les dominants. En fait, c'est un dominé parmi les élites. C'est quelqu'un qui fait partie du monde des élites, mais qui n'a jamais tout à fait le pouvoir de mettre en œuvre ses projets, puisqu'il construit pour les autres, avec les sous des autres, avec l'argent des autres. Et ça, on n'arrive jamais à transiger avec ce fait-là. Et en même temps, l'architecte est toujours un aiguillon de la réforme. Il a souvent été, successivement, à travers des phases de l'histoire, une sorte d'apporteur d'idées, de concepts, qui a fait bouger les choses. Et là, autour de 68, c'est exactement ce qui va se produire. C'est-à-dire que les architectes vont se révolter contre l'État, mais tout contre l'État, d'une certaine manière. Et 68, chez les architectes, comme dans de nombreux univers, va se présenter comme un accélérateur des réformes. Et en architecture, donc, tout particulièrement.
J'ai dit tout à l'heure que c'était la fin du prix de Rome. J'ai dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. En fait, ce n'est pas la fin du prix de Rome, 1968, le 6 décembre 1968. Le 6 décembre 1968, le nouveau décret qui régit les études d'architecture, qui est publié ce jour-là, en fait, il met fin aux avantages liés au prix de Rome. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'était que lorsque vous aviez le prix de Rome, vous aviez un avantage, c'était de passer un an à Rome, à la Villa Médicis. Vous me direz, il y a pire comme séjour, c'est pas mal. Mais une fois l'année passée, après tout, vous revenez en France. En revanche, avant, vous reveniez en France en étant tout de suite en haut des listes d'agréments. La commande était dévolue par le biais de listes. Tous les ministères constructeurs en France avaient leur liste d'architectes. Le ministère des Postes avait sa liste d'architectes, il faisait une poste à Lannion, comme il faisait une poste à Marseille. Le ministère de l'Éducation nationale avait sa liste, et il faisait ses collèges à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, avec ses listes d'architectes. Et quand vous aviez le prix de Rome, ben, vous arriviez 5e, 6e, sur 3 ou 4 listes d'agrément à moins de 30 ans. Donc votre carrière était faite. En revanche, votre carrière d'architecte était faite, puisque vous aviez une commande assurée pour la vie. Et d'une certaine manière, c'est ça que 68 casse. 68 casse la routinisation des procédures. Ensuite, on va assister, dans les années qui se poursuivent, à une extinction progressive des listes d'agréments. Elles vont disparaître à mesure que les architectes vont quitter l'exercice. Elles ne seront pas renouvelées. Et parallèlement, on va assister en France à une décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la liste du ministère de l'Éducation nationale qui fait ses collèges partout, mais c'est la commune qui va construire les écoles maternelles et les écoles primaires, c'est le conseil départemental qui va construire les collèges, et c'est le conseil régional qui va construire les lycées. Et comment ils vont décerner la commande? Par le biais du concours, c'est-à-dire en mettant en concurrence des individus. Donc, finalement, ce qui s'est passé chez les architectes, c'est ce qui s'est passé dans toute la société française, et peut-être au Portugal, mais je ne connais pas assez bien la situation chez vous, mais c'est libéralisation, mise en concurrence des individus, et décentralisation. Après tout, les architectes n'ont fait qu'accélérer un mouvement qui était déjà plus ou moins en germe dans la société française. C'est pour ça que je disais, avec l'État, et tout contre l'État, mais tout contre, finalement. Et puis, je dirais que ce processus, ensuite, s'est métabolisé sous la forme, notamment par le biais de l'encouragement du concours, d'une architecture d'auteur. Et autant l'auteur était voué à la mort en 68, autant il devait se mettre au service du peuple dans ces années-là, autant les années qui ont suivi ont vu un retour très rapide de cette figure de l'auteur, qui est une figure très complexe, parce que, moi je le ressens, on a tous besoin d'une incarnation, que le projet soit incarné à travers une figure. Je dirais plus trivialement que nous sommes tous des midinettes, et que nous aimons bien savoir quelle est la vie de l'auteur et quelle est au juste la personne qui a dessiné ce bâtiment, etc. En tout cas, pour ma part, c'est un sentiment que j'éprouve. Et cet auteur, il est revenu au gré de ces procédures de mise en concurrence. Et il a accompagné un mouvement qui, chez vous, a existé aussi, mais il a existé de différentes manières sur différentes scènes nationales, le postmodernisme architectural, d'une certaine manière. Et cet auteur, il était voué politiquement à la mort en 68, puisqu'il fallait se mettre au service des masses, et il était voué intellectuellement aussi au dépérissement. Roland Barthes, par exemple, toujours lui, publie un article en 1968 qui s'appelle « La mort de l'auteur ». Il dit, voilà, l'auteur est mort, ce qui compte, c'est le texte, c'est la clôture du texte. Et pour comprendre un texte, il s'agit de saisir ses articulations signifiantes, il s'agit de saisir ses nœuds, il s'agit de saisir ses structures, mais la vie de l'auteur n'explique en rien le texte. Bon, ça, c'est les vieux cours de français qu'on a tous eu au lycée. On a tous eu forcément un prof qui nous faisait la vie de l'auteur et un prof qui s'arrêtait dans la clôture du texte. Proust contre Sainte-Beuve. Ce débat-là, c'est un débat presque intemporel. Et Barthes, en 1968, prend clairement parti pour la mort de l'auteur. Et en 1974, 6 ans plus tard, le même Roland Barthes écrit un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Roland Barthes par Roland Barthes », qui est une sorte d'autobiographie, pour le coup, qui est très, très nombriliste. Et dans ce texte, il dit, il y a une page dont je me rappelle très bien m'être arrêté dessus, il dit « Il y a en chacun de nous un désir d'auteur ». Oui. Il y a à la fois une volonté de scientificité et un désir d'auteur.
Et à certaines périodes, c'est la volonté de scientificité et d'objectivité qui l'emporte, et à d'autres, c'est le désir qui l'emporte. Et on peut dire que 10 ans après 68, c'est plutôt le désir qui va l'emporter. Bon, quand je disais avec l'État, tout contre l'État, contre l'État, tout contre l'État, il faut voir que, en fait, ce qui se construit en France à l'époque n'est pas de la meilleure qualité. Bon, au Portugal aussi, mais je pense que l'échelle sur laquelle les événements se sont déroulés était moindre. En France, c'est une échelle énorme. Hein. C'est un pays, je ne sais pas si on mesure bien la chance qu'ont eu les architectes après la guerre, enfin la chance. Ils ont eu la chance d'un pays détruit, d'un pays à reconstruire. C'était du... Enfin, je dirais une guerre pour un architecte, bon, c'est une occasion de travailler. Hein. Ils ont eu la reconstruction, le baby-boom, la France n'a jamais fait autant d'enfants que dans les années 50-60, et la fin des colonies et le rapatriement des Français, notamment d'Algérie. Il n'y a jamais eu autant de mètres carrés à construire. Et je ne parle pas de l'exode rural. Donc, voilà, on a fait ça. Et on en paye un demi-siècle après, on en paye encore le prix. Et il est clair, et là c'était très évident quand je suis allé regarder les archives, que l'État avait conscience que ce qui se faisait en France n'était pas de la meilleure qualité. Et que les contestataires des Beaux-Arts, notamment, qui voulaient une autre architecture, qui voulaient un programme, qui voulaient un site, qui voulaient s'intéresser aux enjeux de leur temps, étaient très écoutés à la direction de l'architecture. Et il y a même beaucoup de PV de réunions à la direction de l'architecture qui montrent que le directeur de l'époque, Max Kerrien, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable, était beaucoup plus favorable aux contestataires qu'aux enseignants conservateurs, et qu'il a accéléré les réformes bien avant mai 68. J'ai même trouvé, et ça m'a frappé, un décret qui était daté du 22 avril 1968, donc 15 jours avant mai 68, et qui annonçait déjà la création des unités pédagogiques, l'éclatement de l'école des Beaux-Arts, qui annonçait des écoles d'architecture en région, qui annonçait la fin du concours d'admission. Il était prêt pour la signature. Donc on peut même se demander si mai 68 n'était pas arrivé, les choses seraient peut-être allées encore plus vite. Bon, je fais de l'histoire contrefactuelle. Hein. Si Charles Lindbergh n'était pas mort, peut-être l'Amérique serait nazie. Bon, Hitler et ses descendants seraient toujours au pouvoir. On peut toujours refaire l'histoire comme si. Mais il n'empêche qu'il y a des éléments objectifs qui montrent que la réforme était déjà bien engagée. Depuis 1962, il y avait eu un premier décret cadre qui lançait un processus de réflexion. Et puis, à la rentrée 1965-66, il y a eu l'ouverture d'une grande annexe au Grand Palais à Paris qui a permis de faire justement cette pédagogie alternative. Donc, 68 est un événement qu'il faut vraiment interroger. C'était l'intro de Georges Duby pour son ouvrage sur Bouvines, la bataille de Bouvines en France, qui a eu un rôle historique important, prépondérant même. Et il dit dans son introduction que l'important, ce n'est pas la bataille de Bouvines, mais c'est le nuage de poussière des événements soulevés avant la bataille. Ben, c'est un peu la même chose pour les événements de mai 68, et particulièrement dans le monde des architectes. Voilà quelques images de ce qui se produit, de ce qui se fait à l'époque. À l'époque, on a invité les jeunes gens de l'Ouest parisien, hein, des beaux quartiers de Paris, du 16e, du 17e Ouest, à aller faire leurs études universitaires à Nanterre, au complexe de la Folie. On appelait, enfin, complexe de Nanterre, sur le lieu dit, la Folie. Donc ça tombait bien, enfin, d'une certaine manière. Et c'était un endroit qui jouxtait l'un des plus grands bidonvilles de France. Hein, alors que la Défense était en train de poser ses premiers jalons de l'autre côté. Donc on envoyait les fils de la grande bourgeoisie parisienne faire leurs études dans cet environnement. Dans cet environnement austère, anonyme, répétitif, alors qu'auparavant, leurs études, ils les menaient à la Sorbonne. On peut aussi expliquer une partie des événements par cette forme de refus d'un déclassement et de prise de conscience politique. Quand je dis refus du déclassement, ça vaut pour les jeunes étudiants en sociologie de Nanterre, comme Daniel Cohn-Bendit, ça vaut aussi pour les étudiants à l'école des Beaux-Arts en architecture. On lit très bien, par exemple, dans les textes comme Nanterre ou les oies gavées, des jeunes sociologues qui écrivent ce texte à Nanterre juste avant mai 68, entre le 22 mars et le mois de mai, ils racontent qu'ils refusent d'être les petites mains des instituts de sondage
Et au même moment, chez les architectes, on trouve des textes où les contestataires de l'école des beaux-arts refusent d'être les tireurs de barres. Voilà, ces barres géométriques qu'on reproduit dans les grandes agences à l'identique, ils refusent le déclassement. Ils refusent un déclassement par le bas, mais ils refusent aussi un déclassement par le haut. C'est-à-dire, ils refusent la figure de l'architecte bourgeois. L'architecte au nœud pape, qui vient visiter le chantier, qui règle quelques détails et puis qui s'en revient chez lui dans la limousine. Donc il y a un double refus. Il y a un refus de la déqualification et puis un refus du destin bourgeois qu'il aurait promis. Et ça, c'est un élément, une clé de lecture très importante pour comprendre les événements de mai 68. Voilà, et c'est le moment aussi où, par exemple, la radicalité des situationnistes fait irruption, notamment à Nanterre, au sein du mouvement du 22 mars. Et l'école des Beaux-Arts reste un lieu très empreint de folklore, de vie d'atelier, avec ses rites, avec ses formes d'existence sociale, et c'est aussi ce qui est fortement rejeté dans les années qui précèdent mai 68. En fait, c'est le refus du corps au sens sociologique, hein, l'esprit de corps. On ne veut pas en être, on ne veut pas de cette vie-là, d'une certaine manière. Le folklore, l'image de Castro tout au début, mais ça se poursuit, il y a des balles, ça fait partie de la vie d'atelier, d'école, et il se trouve qu'il y a toute une frange des étudiants qui refusent de plus en plus cette vie collective et ce qu'elle implique. L'école des Beaux-Arts, on peut la voir un peu comme une institution totale, à la manière dont Erving Goffman parle des institutions totales. C'est-à-dire, c'est une école où les gens vivent presque 24 heures sur 24, avec des rites particuliers, avec des figures charismatiques qui sont les patrons, avec des règlements implicites ou explicites, avec une sorte de lieu qui vous recouvre finalement tout votre quotidien. Vous pouvez même vous marier dans ces bals, finalement. Les filles sont très peu nombreuses, aux Beaux-Arts, mais elles viennent nombreuses à ces fêtes d'atelier. Donc c'est une institution où vous pouvez passer. Dans l'expo, on a mis 20 années de cartes d'étudiants d'un architecte parisien, Joseph Zetlaoui, qui s'est inscrit au milieu des années 50 et qui a passé son diplôme au milieu des années 70. Lui, il était très heureux à l'école des Beaux-Arts. Il a passé 20 ans d'inscription, il avait 20 ans de carte d'étudiant et on voyait les photos qui vieillissaient au fur et à mesure. C'est une école où on pouvait passer un quart de sa vie assez facilement, finalement. Et c'est cette forme-là que les étudiants les plus contestataires de 68 refusent. Bon, tout le monde a vu ces images du folklore de l'école des Beaux-Arts. Avec le côté, c'est le côté grande école aussi, hein, que les étudiants refusent à ce moment-là. La fanfare, le quartier qui n'était pas ce qu'il est devenu. Hein, il y a soit des galeries, soit des magasins de vêtements aujourd'hui en face de cette école où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Le quartier a beaucoup changé. Et puis, il y a cet écart. Alors il y a cet écart très fort, finalement, entre une forme d'enseignement assez désuète, assez vieillotte, hein, au fond, et puis la France qu'on est en train de construire, qui, elle, se veut absolument futuriste. Pour vous donner une idée, le sujet du prix de Rome en 1966, c'était une île artificielle. Et il y avait même un prix pour... donc il y avait des concours de fondation, des concours d'émulation sur lesquels vous faisiez la main pour vous préparer au prix de Rome, grand examen final. Parmi ces concours d'émulation, il y avait le concours Redon, qui en 1958 proposait de plancher sur une usine de préfabrication lourde. Alors là, c'est carrément le serpent qui se mord la queue, pour ainsi dire, hein, quand on propose aux étudiants de concevoir l'usine qui est en train de nier leur travail de conception par le biais de la préfabrication des panneaux pour le système de construction qui construit les grands ensembles. Donc on a un système quand même à bout de souffle intellectuellement. Le professeur de théorie, c'était Aublet, s'appelait, qui n'a pas vraiment laissé son nom dans l'histoire de l'architecture, il démissionne dès 1962. Vous savez, au Beaux-Arts, les projets étaient tous exposés dans une très grande salle, qui était soit la salle Melpomène, où se tenait l'exposition que j'ai montrée pour commencer, ou dans le palais des études, et il y avait 300 projets, des grands panneaux, et les profs passaient, assez lentement, mais quand même, passaient, et oui, non, mais pas d'explication. Vous étiez reçu ou vous aviez un four. Et puis éventuellement, si vous étiez distingué, vous aviez une médaille ou une mention. Mais
Le professeur ne donnait pas les raisons de sa correction. Et les raisons de la correction étaient données par le professeur de théorie, qui lui faisait la synthèse après coup, repassait voir les projets et faisait une sorte de débrief, on appellerait ça aujourd'hui comme ça, à destination des étudiants. Et bien ce mec-là, qui était quand même un personnage important dans la pédagogie des beaux-arts, démissionne dès 1962. Il n'y a plus personne pour faire la synthèse dans cette école. Vous savez que l'école, c'était un système un peu compliqué. Il y avait des ateliers intérieurs et des ateliers extérieurs. Dans les ateliers intérieurs, les professeurs étaient payés par l'État. Et les ateliers intérieurs étaient les ateliers dans la norme, où vous aviez le plus de chances un jour d'avoir le prix de Rome et où votre scolarité était la plus linéaire. Et puis les ateliers extérieurs, eux, eh bien, c'était les étudiants qui rémunéraient leurs professeurs, donc très mal payés. Les étudiants se cotisaient pour aller chercher un architecte qu'ils aimaient, qu'ils avaient vu, dont ils appréciaient le travail, pour qu'ils viennent leur enseigner l'architecture. Et donc, ils se partageaient une petite somme d'argent qu'on appelait la masse, d'où le nom de grand massier. Et la masse, c'était la cotisation de l'atelier au paiement du professeur. Et donc, le système se renouvelait par incorporation progressive des meilleurs ateliers extérieurs dans les ateliers intérieurs au fil du temps. Mais ce système-là se grippe aussi 10-15 ans avant mai 68. Et puis, il y a donc finalement cette maladie, ce corps déphasé où on s'aperçoit très bien que l'enseignement qui est dispensé ne correspond plus à la France qui est en train d'être changée. Mais ça date de longtemps, 1949 déjà, vous voyez. L'École des Beaux-Arts traverse une crise grave. C'est mai 68, mais en fait, Et toujours ce problème des écoles régionales, c'est-à-dire que quand je parlais des projets jugés dans la même salle, c'est que toutes les écoles de France, tous les ateliers de France, à Nantes, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, envoyaient leurs projets pour qu'ils soient jugés à l'École des Beaux-Arts. On était dans une France très centralisée. Et le grand jury jugeait tous ces projets à la queue leu-leu. Donc quand vous veniez d'un atelier de province à Nantes ou à Bordeaux, vous aviez très très peu de chances d'être pris de Rome un jour. Il faut déjà réaliser ça. Et en plus, vous deviez donc, avec une charrette, enfin, l'amener au train et envoyer vos planches à zéro, et même beaucoup plus à l'époque, à Paris pour le jugement. D'où les expressions « je suis charrette », etc., qui viennent de là. Bon, mais c'est pas que chez les élèves architectes qu'on ressent cette sorte de déphasage entre l'enseignement qui est reçu et la situation de la France à l'époque, qui se modernise à vitesse extrême. La misère en milieu étudiant, pamphlet célèbre, écrit par les situationnistes de Strasbourg, qui est aujourd'hui réédité, toujours réédité un demi-siècle après, et qui parle de la condition étudiante. Donc au Grand Palais, à l'École des Beaux-Arts, on donne aux étudiants cette annexe qui va leur permettre de faire des expériences pédagogiques. Et là, pour le coup, de travailler sur des sites réels, puisque à l'école, on ne travaillait pas sur des sites réels. Vous ne deviez pas vous corrompre avec le réel durant vos études. Et à partir de programmes établis. Et il y a tout de suite un architecte chef d'atelier intérieur qui rejoint cette expérience pédagogique. Ça, c'est très intéressant de voir comment, sociologiquement, ce n'est pas une école poubelle. Ce sont plutôt, d'une part, des gens qui font partie des ateliers intérieurs qui sont reconnus. Pierre Vivien, qui est architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, qui est au cœur du système, qui est un atelier intérieur et qui rejoint le Grand Palais avec tous ses élèves à la rentrée 65-66. Georges Candilis, qui vient de créer son atelier en 1962, c'est aussi une date très importante, la création de l'atelier Candilis, qui rejoint aussi le Grand Palais. Bernard Bette, avec ses étudiants de l'atelier collégial, qui rejoint aussi le Grand Palais. Bref, ce n'est pas une école de has-been. En fait, le renouveau théorique qui se fait là. Et Pierre Vivien le dit dans une lettre qu'il adresse à l'administration, il dit « Parmi les plus contestataires de mes étudiants, je suis loin de retrouver les plus mauvais d'entre eux. » Et il a un peu résumé ce qu'est 68. C'est en fait une histoire de bons élèves qui ont refusé d'avoir des bonnes notes, d'une certaine manière. On pourrait le schématiser comme ça. Donc voilà comment on s'installe le Grand Palais de manière assez précaire. On le voit dans la nef du groupe C. Et puis, quand on regarde en même temps les diplômes de cette époque, on s'aperçoit de choses assez bizarres. Par exemple, ici, c'est le diplôme de Jean Castex. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Jean Castex a longtemps fait des recherches avec Philippe Panneret. Sont eux qui ont un peu importé en France les méthodes de la typomorphologie italienne, de l'histoire des villes,
de cette lecture un peu structuralo-marxiste. Je me souviens de Panerai disant « À Venise, les grands palais sont au bord du grand canal. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. » En effet, c'est la classe dominante qui a creusé le grand canal et qui est donc a installé les grands palais au bord du grand canal. Et cette lecture structuralo-marxiste de la ville, c'est Castex et Panerai qui vont l'implanter, la porter en France. Mais Castex, avant cela, il passe son diplôme au début de l'année 1968, avant mai 68, il fait un diplôme à l'Appris de Rome, hein, entre guillemets, avec du Lavie, avec beaucoup de couleurs, avec des contrastes. Donc ça, ensuite, il va faire des croquis historicistes, il va mener des enquêtes. Là, en revanche, l'événement va avoir beaucoup de poids sur les trajectoires de chacun des acteurs. Mais c'est pareil dans tous les univers, mais si vous voulez, quand vous êtes sommé de prendre position, vous pouvez osciller d'un côté ou d'un autre très très vite dans le moment critique. Bon, mais voilà le type de diplôme, de projet qu'on rendait pour le prix de Rome, par exemple. Alors, les questions se posent depuis très longtemps. 1966, à quoi sert l'architecte? Les étudiants reprennent la revue des Beaux-Arts, qu'ils renomment MELP, hein, comme Help des Beatles. Et le titre du premier numéro, c'est Le malaise. Donc, il y a vraiment... C'est la chute de l'ordre ancien, d'une certaine manière. C'est l'effondrement d'une domination, hein, qui jusqu'ici était fondée rationnellement, parce qu'il y avait des règlements, était fondé charismatiquement, parce qu'il y avait un respect du patron d'atelier, et puis qui était fondé sur la tradition aussi de cette institution totale que je décrivais tout à l'heure. Les rites, le folklore, le bizutage, les bals, tout ça s'effondre finalement d'une certaine manière en même temps. Et puis il y a un travail intellectuel qui commence très vite aussi, 1966, de reconstruction, où vous voyez déjà, il y a un texte de Kevin Lynch dans ce recueil de textes de la grande masse. Ce qu'il faut saisir, c'est que, je le disais tout à l'heure, ils sont loin d'être des mauvais élèves, et surtout, ils cherchent à inverser la norme. Ils cherchent à inverser la norme de l'architecte artiste vers l'architecte intellectuel. Et je ne pense pas qu'on ait changé de paradigme depuis un demi-siècle. On est resté sur cette ligne de l'architecte intellectuel théoricien, plutôt autant que dessinateur. Et ce qui se passe à l'époque, c'est dans cette inversion de la norme, c'est l'arrivée des sciences humaines dans les écoles d'architecture et à l'école des Beaux-Arts. Les premiers sociologues arrivent dès 1966. Henri Raymond travaille à l'atelier collégial dès 1966. Et l'arrivée des sociologues, des sciences humaines, et puis le structuralisme, qui à l'époque est donc à son heure de gloire. 1966, c'est le point culminant du structuralisme, ce que j'évoquais tout à l'heure, tout au début, à travers ces figures Lacan, Foucault, Barthes, Althusser. En France, on aura même une théorie qui va s'appeler l'architecturologie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ici, c'est Philippe Boudon qui a fait des recherches pendant 30 ans pour fonder une nouvelle théorie de l'architecture basée sur l'acquis linguistique de la linguistique structurale. Et il appelait ça l'architecturologie. Mais la logie, il y en a partout à l'époque, hein. Je veux dire, bon, la sociologie, certes, mais le suffixe « logie » est accolé à tout un tas de disciplines qui visent la théorie, visent l'effort théorique. Ce sont des années ultra-théoricistes. Et le structuralisme convient très bien aux architectes, puisqu'il leur permet à la fois de faire science, d'une certaine manière, de se donner les atours de la scientificité, et puis de mettre du contenu culturel sur cette science. Bon, d'une certaine manière, complexité et contradiction de Robert Venturi et l'enseignement de Las Vegas sont aussi des variantes de cette utilisation de la linguistique pour les travaux d'analyse urbaine. Kevin Lynch, c'est de la linguistique adaptée et de la sémiologie adaptée à la perception de l'espace urbain. Et les Français, les jeunes étudiants français contestataires sont au diapason. On n'a pas affaire, encore une fois, à des mauvais élèves, je dirais plutôt qu'on a affaire à des jeunes turcs. Alors, je ne sais pas comment ça se traduit en portugais. Les jeunes turcs contre l'obscurantisme de leurs aînés. C'est un peu cette histoire-là. Donc, voilà, je souhaite présenter l'été prochain le projet de réforme Le Monde daté du 14 février 1968, nous déclare Max Kerrien, qui à l'époque était donc directeur de l'architecture. Donc, il faut tout à fait, je dirais, modérer la place de 68. Il n'empêche que 68 a produit beaucoup de choses en soi, mais sur un autre plan. Je dirais qu'il y a un triple mouvement. Il y a un mouvement de politisation, il y a un mouvement de généralisation, on monte en généralité dans les revendications, et un mouvement de radicalisation.
politisation, généralisation, radicalisation. Et donc 68 donne de gigantesques âgés aussi, des photos qu'on a peu vues, qu'on a retrouvées pour l'exposition. On voit beaucoup de photos de la Sorbonne, de mai 68, des Beaux-Arts. Moi, je n'en avais pas beaucoup vu, pourtant j'ai cherché longtemps. Et il y a Norbert Chotard, un photographe qui s'est retiré dans les Cévennes, qui était là et qui a pris tout un tas de photos des âgés. Ici, c'est dans la salle Melpomène. Là, c'est dans la cour devant le palais des études, dans la cour principale. À nouveau, c'est l'autre côté de la cour. Et puis en province aussi, occupation des écoles. Et, alors là, pour le coup, généralisation, radicalisation, politisation, il y a une inversion totale. C'est-à-dire que l'architecte est sommé de se mettre à l'école des masses. Là, c'est une affiche produite à Nantes. Nantes qui a été une école très active pendant une bonne dizaine d'années, très radicalisée. Et ici, c'est un collègue sociologue, Daniel Pinson, architecte à l'origine, qui a fait cette affiche avec ses étudiants au moment où il les emmenait visiter les chantiers du Bigeon. Il était maoïste, le doigt à l'école du peuple, qui guide la route. Et le dessin, c'est typiquement une calligraphie maoïsante. Et donc les écoliers nantais, les élèves nantais vont dans la ZUP, font des enquêtes. Pendant des années, on ne va plus faire de projets dans les écoles d'architecture en France, jusqu'en 74, 75 au moins. On va faire des enquêtes sociologiques par exemple. J'ai récupéré dans un grenier d'un collègue qui a été parmi les premiers étudiants des UP. Et, c'est vrai qu'il y a, c'est un travail de première année de sociologie, en fait, qu'il aurait donné à faire. Et lui-même dit, mais c'était terrible, quand je me suis engagé sur le marché du travail en 77, je ne savais rien faire. Bon, il a bien réussi sa vie, il a dirigé un CAUE, un conseil d'architecture, urbanisme, environnement, pendant 30 ans, et il a tout à fait mené sa carrière. Voilà, c'est très compliqué, à quoi on prépare, est-ce que c'est une école professionnelle, est-ce que, bon, je passe sur ces grandes questions. Mais ces grandes questions qui agitent un peu, le Landerneau de ces années-là, et voilà, il y a une haine de soi. Les professions concernant le plus la vie quotidienne des gens, le logement, la santé, font l'objet de chasses gardées de la part de la bourgeoisie. C'est le constat tiré par une équipe d'étudiants menée par le sociologue Bruno Kézan auprès des candidats à l'admission de l'automne suivant, les événements de mai 68. Et donc, oui, leurs origines sociales. Il y avait une haine de soi aussi en 68. Moi, je n'ai pas vécu. Il y a des gens dans cette salle qui l'ont vécu. Il y avait, c'est Sartre qui avait dit que pour que 68 ait lieu, il fallait que la bourgeoisie se casse en deux. Il y avait une sorte de haine des pères, des fils et des filles contre les pères et les mères. Et il y a eu des clivages très, très forts. Et là, on sent très bien dans ce constat qu'il y a une haine de soi assez forte. Et quand Chéreau dit qu'il a fait ses études à Louis le Grand, évoque la mort du théâtre, une mort saine et exemplaire, utile. Bon, Chéreau a une belle carrière de metteur en scène. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, il y a une haine. Il y a une haine de ce que représente la culture bourgeoise. C'est par là que je commençais mon propos. Fatalité de la culture, limite de la contre-culture. Bon, mais les Beaux-Arts deviennent une scène très importante, finalement, de mai 68. Par la force des choses, enfin, par cette histoire que vous connaissez peut-être, c'est Guy de Rougemont qui emmène la sérigraphie aux Beaux-Arts. Et auparavant, ils étaient en train de faire des lithos. Ils arrivaient à peine à en sortir 200 dans la soirée en s'y mettant à une quarantaine. Et là, un mec leur amène la sérigraphie technique des États-Unis. Il y avait déjà un petit côté pop art. Il y avait déjà une américanisation par la bande. Mais ça fait aussi partie de cette histoire-là. Ils leur amènent la sérigraphie. Ils en sortent 2000 dans l'ennemi. Et ils les placardent partout dans Paris. Et avant qu'ils aient le temps de les coller, on leur en demande. Et là, ils vont se mettre à en produire parfois jusqu'à 5000 exemplaires de la même affiche et ils vont en sortir plus d'un million pendant un mois. C'est une histoire quand même très importante, les affiches qui font de l'École des Beaux-Arts un des sites principaux de mai 68. Il y a la Sorbonne, Nanterre, l'Odéon et l'École des Beaux-Arts. Donc, identitairement, c'est une grande histoire aussi dans la profession d'architecte. Alors, les architectes étaient nombreux dans cet atelier populaire, ils n'étaient pas forcément aux premières loges, mais ils étaient très présents aussi dans la reproduction des affiches. Le style, c'est la plate couleur, la couleur rouge qui domine, le toit crénelé pour dire l'usine, l'ouvrier avec une casquette, les visages anonymes, les personnages, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire De Gaulle, Cohn-Bendit,
très très peu de personnes, beaucoup de stéréotypes, une sorte d'efficacité très forte hein, dans la graphie. Et puis, donc voilà, l'art au service du peuple, c'est l'idée de l'époque. Et voilà le toit crêné de l'usine, les visages anonymes, la brutalité policière, l'union avec les ouvriers aussi, qui est un des thèmes récurrents. Et puis ensuite, ça c'est une affiche 2 ans plus tard, des revendications plus catégorielles. Mais le mois de mai, il n'y a pas de revendications catégorielles. Hein. Il y a ce mouvement de politisation, généralisation, radicalisation. Et on peut dire que l'École des Beaux-Arts, comme la Cour de la Sorbonne, comme l'Odéon, c'est un lieu utopique. En fait, le lieu utopique, ce n'est pas forcément le palais des Soviets. Ça peut, et c'est surtout le lieu qui change de destination à un moment donné parce qu'il est investi par d'autres pratiques, comme le théâtre de l'Odéon au même moment, comme les gens qui jouent au volet à Renault-Billancourt pendant le mois de mai dans leur usine. Ça, c'est, oui, il y a un caractère utopique de ces endroits durant quelques semaines qui montre que l'ordre social peut tout à coup se retrouver complètement ébranlé. Et l'École des Beaux-Arts, ça va durer jusqu'au milieu des années 70, hein, parce que avant que l'école l'UP6, qui va être l'école la plus contestataire, quitte le site des Beaux-Arts, c'est-à-dire en 1977, il y a 7000 étudiants sur ce site. Bon, je ne sais pas si vous avez visité l'École des Beaux-Arts, mais ce n'est pas très grand. 7000, on voit des photos, des vidéos, notamment du milieu des années 70, où il y a des algécos partout dans la cour, des algécos de 3-4 étages qui se superposent aux bâtiments historiques existants. Donc avant que l'UP6 s'en aille, l'École des Beaux-Arts va être transformée quand même en joyeux Capharnaüm pendant quelques années. Et puis on retrouve, si vous voulez, au même moment, chez les plasticiens, chez les peintres, les préoccupations voisines, et chez les architectes, il y a la négation de soi. En fait, il y a la volonté de ne pas parler d'architecture, de parler du bâtiment, des chantiers, du système de production, de la question du logement, mais pas d'architecture au sens où on l'entend aujourd'hui, à nouveau, traditionnellement. Et les exercices, ça consiste par exemple à construire une maison du peuple temporaire à Villeneuve-la-Garenne, expérience relatée à nouveau dans l'IB 3 ans plus tard. Avec, là en l'occurrence, c'est pour un ghetto de maçons portugais. Donc, c'est l'histoire de ce chantier de maison du peuple à Villeneuve-la-Garenne. Voilà, trois morts par jour sur les chantiers, il n'est plus question d'architecture au sens traditionnel. En revanche, il y a une agitation étudiante très, très présente. Hein. Le tract à gauche est assez vulgaire, mais il dit bien la haine aussi des institutions et de la direction de l'architecture. Celui de droite est plus raffiné, il dit plutôt la haine, le mépris dans lequel les étudiants de l'époque ont tendance à tenir les enseignants. Et c'est un tract de l'Institut de l'Environnement. L'Institut de l'Environnement, qui est une belle aventure, mais qui, vous voyez, durera très peu de temps, avec beaucoup de moyens, un immeuble conçu par Jean Prouvé, des grandes salles de réunion, des tout petits bureaux pour que tout le monde travaille ensemble. Très pionnier, il y a une cellule informatique, la première en France, qui est montée à cet endroit-là. Et c'est un institut qui a laissé beaucoup de souvenirs dans la tête parce que beaucoup des étudiants de cet institut ont ensuite été nommés enseignants dans les écoles qui se sont créées, et qui n'a duré que 3 ans, et qui a été en fait une suite de conflits entre les étudiants gauchistes et les professeurs communistes. Parce qu'une autre des clés de lecture de 68 et des années qui suivent, c'est la guerre très très forte entre gauchistes et communistes. Mais bon, on n'a pas le temps ce soir de revenir sur ces questions. Mais c'est un institut qui fait venir Nigro Ponte, par exemple. Évidemment, l'environnement, c'est une question tout à fait à l'agenda. Quand je parlais des jeunes Turcs, nous y sommes. 68, c'est pas seulement le refus du savoir. C'est aussi un désir de scientificité et de théorie, mais pas le savoir des aînés. Conférence d'Henri Lefebvre. C'est un peu le Vincennes des architectes, cet Institut de l'Environnement. Et puis, à l'époque, il y a les premiers mouvements de lutte contre les espaces carcéraux auxquels les architectes sont sensibles, d'une certaine manière. Le diplôme d'Yves Lyon, ce que j'ignorais, mais que j'ai découvert en travaillant pour cette exposition,
a été fait sur la prison de la Petite Roquette. La Petite Roquette qui était le premier panoptique français au cœur de Paris et qui allait être détruit à ce moment-là. C'est le projet de Christian de Porzamparc, un de ses premiers projets qu'il rend pour l'occasion, pour ce concours. Architecturer le vide, en fait, c'est là où il commence à mettre en place son architecture. Hein, l'espace entre le public et le privé, une pièce intérieure, publique, à ciel ouvert. Il va faire le même projet pour le programme Architecture Nouvelle 7 qui va remporter. Il va faire le même projet d'une certaine manière pour les hautes formes. Enfin, tout un linéament des projets de Porzamparc peuvent trouver leur source dans ce projet pour la Petite Roquette. C'est le moment où les architectes travaillent avec Michel Foucault. Il y a des architectes qui vont écrire des livres avec lui, Bruno Fortier par exemple, ou Foucault qui dit il y a une histoire des espaces qui serait en même temps une histoire des pouvoirs. Évidemment, ça plaît à des architectes, enfin ça éveille la sensibilité des architectes qui sont en lutte et qui trouvent que la France qui se construit n'est pas celle qu'ils souhaiteraient. Hein. De la salle de classe ou de l'organisation hospitalière, en passant par les implantations économico-politiques, il est surprenant de voir combien le problème des espaces a mis longtemps à apparaître comme problème historico-politique. Surveiller, punir, 75, pardon, c'est le moment où, justement, il y a ce travail avec les architectes. Et on voit très bien comment tout ça peut évoquer des résonances hein, dans l'esprit des architectes qui se trouvent face à ce problème des grands ensembles et à cette recherche d'alternatives, ces espaces à cours centrés, panoptiques. Bon. Et puis, les espaces centrés, ça fait aussi partie de l'histoire de l'architecture, n'est-ce pas hein. Ça, c'est le premier projet d'hôpital rationnel de Poyet, dont Foucault parle dans ses ouvrages. Les machines à guérir, c'est le bouquin de Fortier avec François Béguin, qui est sociologue en école d'architecture, et avec Michel Foucault. Il y a une sorte de jeu qui se joue entre la métaphore spatiale chez Foucault et la métaphore du pouvoir, qui convient très bien aux architectes. Hein. L'hôpital qui quadrille l'espace, qui se diffuse dans la ville jusqu'aux grands ensembles, finalement, qui renvoie à la notion d'espace disciplinaire, ben, les étudiants en architecture trouvent là un moyen de reformuler un nouveau paradigme, encore une fois. Et ces espaces centrés, on les voit toujours ressortir à travers l'histoire. Hein. Même très récemment, ils sont en train de sortir de terre. Ces figures-là organisatrices, on comprend bien quelle puissance elles peuvent avoir sur les esprits. Et il y en a un qui a exploré tout ça et qui disait « L'urbaniste est dans une situation pathétique. Je ne connais aucun autre groupe social composé d'autant d'hommes aussi intelligents qui essayent autant de faire quelque chose sans jamais y parvenir. » Je trouve que c'est une bonne définition. C'est une bonne définition de l'urbanisme, d'une certaine manière. Enfin. Et Fuller, à l'époque, est très enseigné hein, dans les écoles, ces structures autotendantes, le nomadisme, la précarité, le mouvement, c'est quelque chose qui inspire beaucoup les jeunes enseignants qui travaillent dans les UP, ou Jean Aubert, par exemple, qui va travailler à Vincennes avec Hubert Tonka et qui va faire cette tortue qui parle d'architecture et d'urbanisme et qui a la forme d'un dôme géodésique et chacune des plaques exprime une leçon de Fuller en BD. On est typiquement dans les recherches qui vont être très intéressantes hein, aussi de pédagogie alternative après la fin de l'enseignement des beaux-arts figés. Voilà Aubert à nouveau à l'université qui fait bosser ses étudiants sur la résistance des structures et comment en mettant des tables à coller les unes aux autres on peut faire tenir un édifice. Et puis la danse fait aussi son irruption dans les écoles d'architecture. Ici c'est à l'école spéciale. Hervé Ballet, un des seuls architectes reichtiens en France. Un mec assez méconnu, mais qui sans doute est en train de réapparaître. Mais il y a des écoles qui restent très fidèles à la tradition. Si vous allez aujourd'hui à l'ENSA de Versailles, vous vous apercevrez qu'il y a l'armée des ombres, ici, là. Tout le rez-de-chaussée est occupé par les anciens moulages de l'école des Beaux-Arts. Toutes les statues qui ont été soit cassées en 68, soit évacuées de l'école, qui refusaient la pédagogie du modèle antique et qui voulaient passer justement à des expériences plus concrètes, ben toutes ces statues qui ont été cassées ou qui menaçaient de l'être ont été transférées à Versailles dans les écuries du roi où l'école d'architecture a trouvé à s'implanter avec Louis Aretsch après mai 68. Vous voyez, d'un côté, on construit une école à Nantes avec Evano Pellerin. Ce sont les étudiants qui font le programme, ils font intervenir des coloristes, on est typiquement dans l'architecture tramiste des années 70, et puis de l'autre,
Versailles encore aujourd'hui, avec ses propylées. Voilà Nantes, quelques images qui est typique d'une école de ces années-là, où l'espace est censé correspondre à ces nouvelles pédagogies. Espace ouvert, la rencontre. Mais ça a été très difficile, hein. Ils ont erré quelques années en ville, et puis le chantier a été lancé en 1974. Mais l'école a été détruite depuis. Le ministère de la Culture est un très mauvais gestionnaire de son propre patrimoine. Ceci dit, je me perdais encore après plusieurs années de fréquentation dans certains endroits de l'école. Et le problème, celle de Nanterre était construite sur le même modèle. Le problème, si vous voulez, c'est que Nanterre, par exemple, il y avait des couloirs de 6-7 mètres de large le long de salles de classe qui faisaient à peine 10 mètres de profondeur. Les couloirs étaient quasiment aussi larges que la salle de cours. Mais il se trouve qu'on pensait que les échanges pouvaient autant se jouer dans les couloirs et l'enseignement mutuel entre les étudiants qu'en classe face aux professeurs dans un cours magistral. Mais ces espaces-là n'ont plus tenu quand la pédagogie elle-même a changé et quand la figure du maître est plus ou moins réapparue. Bon, ça fait partie aussi de cette histoire. Et donc l'école de Nanterre, de Jacques Calice, ben voilà, elle a été vandalisée. Les étudiants l'ont quittée à la toute fin des années 90, début des années 2000. Et voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est proche de la destruction, elle aussi. Bon, évidemment, il y avait de l'amiante, mais pas seulement. Ce patrimoine-là pose des questions aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de réutilisation. L'État n'a pas voulu, les héritiers non plus. Parce que le fils de Calice trouvait que le projet de reprise du cuisinier Alain Ducasse ne respectait pas le bâtiment de son père. Au total, il ne va plus y avoir du tout de bâtiment, bientôt. Et ce n'est pas seulement l'école d'architecture de Calice, là c'est une réalisation de Calice juste à côté, un foyer qui est aussi en passe d'être détruit. L'architecture de ces années-là, aujourd'hui, c'est celle qui souffre le plus. Je ne sais pas si c'est le cas au Portugal, mais en France, il y a de très lourdes menaces sur nombre d'édifices de ces années-là. Alors aujourd'hui, pour vous donner un petit tableau des écoles, bon, celle qui, je suis désolé, mais celle qui a vraiment le plus de chance, c'est celle de Nantes. C'est une école très, très agréable. Non, c'est une école très vaste qui a été réalisée par les Lacaton Vassal et qui a interprété le programme de façon à donner des espaces en plus. Donc dans ces 18 000 m², il y a tous les espaces qui n'étaient pas compris dans le programme mais qui sont largement utilisables, sauf peut-être du 15 janvier au 15 février, quoi, grosso modo. Mais sinon, c'est pour ça qu'on voit à chaque fois l'école de Nantes apparaître avec un gros cercle, parce qu'elle a un effectif qui n'est pas énorme et elle a une surface qui est largement supérieure à celle de la Villette, par exemple, qui est très très mal logée. Et la Villette, c'est l'ancienne UP6, c'est comme s'ils étaient punis depuis 50 ans. La Villette, j'y ai enseigné, c'est loin d'être luxueux. Est-ce qu'il nous reste du temps? On va peut-être s'arrêter sur ce tableau des écoles. Je peux faire un petit éclairage aussi sur la Free Press. Donc à l'époque, il y a aussi, c'est à considérer dans ces années-là, l'arrivée de la Free Press, qui arrive notamment au Halles, où se trouve l'Institut l'URE, l'unité d'enseignement et de recherche sur l'environnement, et où se trouve aussi le magazine Actuel à ses débuts, où se trouvent aussi des représentations de théâtre. Les Halles, c'est un foyer exceptionnel de contre-culture en France, et où se trouvent aussi les gens de la revue Tout, où se trouve aussi l'idiot international de Jean Edernalier. Et là, par exemple, la revue Tout, il y a beaucoup d'architectes dans la revue Tout, c'est la plus intéressante des revues gauchistes. C'est Roland Castro qui l'a fondée. Il y a Pierre Gandier aussi qui en faisait partie, Jean-Marie Léon, Jacques Barda, pas forcément des architectes très connus, mais aussi des gens très connus, par exemple dans le mouvement des homosexuels. Guy Wokengem faisait partie du groupuscule qui éditait Tout. Et les fondatrices du MLF faisaient aussi partie du mouvement de libération des femmes, faisaient aussi partie de cette revue. Donc c'est une revue, un vrai creuset. Et il y a énormément d'articles sur l'architecture et sur la ville, toujours sur le point de vue de la domination du pouvoir. Et cette idée que la ville est en train d'être submergée, vous voyez déjà, il y a une forme d'inquiétude environnementale qui se joue, au-delà du métro boulot-dodo de Pompidou qui parle à la télé, il y a cette sorte d'inquiétude sur le devenir urbain et les pavillons de Baltard. À l'époque, c'est la grande affaire, hein, évidemment, la question des Halles qui fait suite à 68. Et évidemment, les pavillons des Halles, allez, 4 ans plus tard, n'auraient jamais été détruits.
on les a détruits alors que on était en train de changer d'époque. Ce contre-concours qui arrive trop tard, qui arrive en 1979 alors que les choses sont jouées, mais qui donne lieu à des projets, à un exercice de style, tous plus étonnants les uns que les autres, avec la bourse et Saint-Eustache comme, et le trou en bas comme élément structurant, ambiance villageoise. Bon, il y en a 700, hein, mais ce fond-là mériterait d'être à nouveau exploré systématiquement. Et puis, il y a toute la politisation des années qui suivent, à travers la presse gauchiste et la presse informelle. À nouveau tout, vous voyez, vacances ou liberté, 11 mois sous pression, le 12e sous contrôle, c'était l'affiche que j'avais choisie pour ce soir, sous contrôle à la Grande Motte dans l'architecture de Jean Balladur. Vous voyez comment Jean Balladur était perçu à l'époque et comment la Grande Motte aujourd'hui peut être valorisée. Bon. Mais tout, c'est intéressant parce que c'est un peu le creuset. Les jeunes, à l'époque, on crée un FLJ, un Front de Libération des Jeunes. Il faut quand même s'accrocher quand on voit la situation des jeunes aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a un demi-siècle. Mais bon. Front de Libération des Jeunes, le Midi est-il libre ? L'Occitanie, les luttes régionales, les homosexuels, les femmes, le tout sur fond de cauchemar urbain, d'un urbain qui rêve de campagne. Au fond, sur cette couverture, on a tous les mouvements spécifiques des années, du début des années 70 résumés. Ah, en revanche, chez les trotskistes ou chez les communistes, c'est plus chiffré ou plus sérieux. Donc à gauche, les communistes et à droite, les trotskistes. Le logement, enjeu dans la lutte des classes. On voit très bien comment les groupuscules, à travers la question du logement, de l'urbanisme, on voit très bien quelle est leur orientation politique et la manière dont ils se saisissent, même graphiquement, des questions urbaines qui nous intéressent. Place, qui est en revanche une revue maoïsante, qui repart plutôt à la base. Actuelle, tendance contre-culturelle, les villes brûleront, vous les reconstruirez, le départ à la campagne, les communautés. Dans ce numéro, il y a un entretien avec Henri Lefebvre, justement. Et puis, c'est le moment où la presse architecturale, c'est un moment aussi très important, où la presse architecturale change de main. Hein. Bernard Wett arrive à la rédaction en chef de l'architecture aujourd'hui, en 1974. Il y a par exemple cet article d'Edith Girard qui est très intéressant, qui dit les atermoiements d'une jeune architecte qui veut passer à l'acte, à la construction, qui se sent enfin libre de le faire, mais soumise au système de production français avec les trams et le système industrialisé. C'est le moment où AMC change de main, AMC qui voit arriver Patrice Novian et Jacques Lucan. Je ne sais pas si ces revues sont très connues au Portugal. C'est le moment où technique et architecture aussi changent de main, où François Chalin arrive pour 2 ans. Enfin, c'est pile au milieu des années 70, l'arrivée de Giscard d'Estaing, que cette génération-là commence à prendre, très jeune, hein, très jeune. Ces gens-là ont à peine 30 ans, hein, les manettes des principaux organes de pouvoir en France. Et là, c'est les communistes, la manière dont la presse communiste voit la question des villes nouvelles et voit la question du logement. Mon directeur de thèse avec son diplôme très sérieux à gauche. Et puis, donc, c'est le moment où émergent ces figures qui sont encore aujourd'hui, on a vu Roland Castro, mais il y a Paul Chemetov, d'actualité. Et puis, il y a quelques opérations très expérimentales qui se montrent. Par exemple, celle-ci, où tout le cœur de l'immeuble est constitué d'espaces intermédiaires surdimensionnés. Vous voyez, il est possible de faire la fête des voisins tous les soirs, avec des cheminées encastrées dans les murs en béton, avec des paliers expansés. Bon, le bailleur social a vite gardé la clé parce qu'il ne savait pas comment gérer ça, quoi. C'est les gens d'Architecture Studio, ceux qui construiront l'Institut du Monde Arabe avec Jean Nouvel, qui font ce projet à Poitiers. Et puis, il y a des projets en ville nouvelle qui sont aussi très révélateurs d'une nouvelle architecture. Ici, assez postmoderniste, hein, les beaux windows, les prolongements, l'inspiration anglaise. Ça, c'est typiquement un projet d'étudiant. Ce projet avait été fait avec Bernard Wett. Xavier Gonzalez était encore étudiant. Et il a été assez malin de se dire, ben, mon projet n'est pas mauvais, je vais le présenter au concours. Il a été lauréat et c'est sa première construction. Bon, à l'époque, il y avait des belles histoires. Bon, il y en a d'autres qui sont plus tristes. La question des banlieues qui arrive déjà dans ces années-là, qui est largement mise en scène
et puis qui reste comme un serpent de mer jusqu'à aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a les années 80 où là, finalement, il y a une prise en compte du phénomène dans une autre dimension, une autre géométrie, avec toujours Roland Castro en, je dirais, en éclaireur sur ces questions. On l'a vu pour commencer, finalement, on va le voir pour finir, avec son immeuble, peut-être le seul immeuble intéressant qu'ait fait Roland Castro, la Bourse du Travail à Saint-Denis, avec Antoine Stinko. Voilà. Parce que je crois qu'on a largement dépassé le temps imparti. Sauf si vous voulez que je continue, je peux continuer encore un bon moment. Hein. Peut-être on peut poser des questions. J'ai enlevé mes lunettes, mais je vais prendre mon casque parce que je ne peux pas tout faire là. Pour mettre en route la discussion, je vais vous poser quelques questions, peut-être bêtes, parce que je n'ai pas pu suivre tout à fait votre exposé. Vous aviez oublié que vous êtes au Portugal, chez des étrangers qui ne suivent très bien une diction très, très orageuse. Vous avez parlé trop vite. Mais vous parlez bien français. Donc, j'ai perdu, donc. Parfois, je n'ai pas pu vous suivre. Et donc, je vais poser tout d'abord cette question. Est-ce que le bilan de 68, sur le plan de l'architecture, l'a été vraiment très net, très positif? Cela a changé l'évolution qui venait d'avant, puisqu'avant, il y avait déjà un puissant mouvement architectural en France. Donc, le gaullisme a été... Les 30 glorieuses, n'est-ce pas, elles avaient une visibilité sur le plan urbanistique. Et il y a un tas de grands édifices que vous avez montrés qui ont été construits avant 68. Donc, et puis, après 68, les choses ont changé? Je ne pense pas. Pas beaucoup. Peut-être Beaubourg, le centre Beaubourg, est-ce un héritage? Ça a été possible à cause de 68 ou pas? Je ne sais pas. En effet, c'est toujours ce que l'on dit, enfin, c'est ce qui est rapporté. C'est vrai que Beaubourg, c'était un des premiers concours ouverts, je parle plus lentement, c'était un des premiers concours ouverts de cette dimension-là. Et c'est le premier et le seul concours où c'est le président du jury qui a choisi le lauréat. Ensuite, pour les grands projets de François Mitterrand, ou ceux de Giscard d'Estaing, on les a oubliés, mais il y a eu le parc de la Villette, par exemple, c'était le président qui choisissait. Le jury présentait 5 projets, et le président de la République choisissait le projet qui lui convenait le mieux, avec des conseils, pas tout seul le soir avant de se coucher en disant « ouais, c'est celui-là ». Non, mais c'était lui qui choisissait. Tandis que Beaubourg, c'est Jean Prouvé, qui était président du jury, qui a choisi ce projet-là. Et Pompidou n'a pas du tout apprécié. Mais comme Pompidou avait une image très autoritaire, et Pompidou ne voulait pas se rendre encore plus impopulaire qu'il ne l'était auprès de la jeunesse, il a accepté le choix de Prouvé. Ce projet-là, il est assez miraculeux, en fait. Il s'explique aussi par ce biais-là, c'est-à-dire qu'il y avait un premier concours ouvert, premier où il y a autant de candidats, le premier et le seul où c'est le président du jury qui choisit, dans une France qui, en effet, sort des événements de l'agitation de mai 68. Donc Beaubourg, c'est très particulier. C'est vraiment une conjonction de facteurs qui explique que ce projet-là... Et vous savez, Beaubourg, aujourd'hui, en France encore, à chaque fois qu'il y a une enquête sur l'architecture, notamment souvent le Figaro, qui est un journal de droite, tous les ans, il y a un supplément immobilier, et je la regarde avec intérêt, qui fait une enquête, quels sont les bâtiments que vous détestez le plus? Souvent, c'est la Tour Montparnasse, qui est en premier. Mais Beaubourg n'est jamais très loin. Je veux dire, il y a toute une partie de la population française, 30-35%, pour laquelle la pilule n'est jamais passée. Il y a toujours 30% des Français qui détestent Beaubourg. Hein. Mais pas pour des bonnes raisons, je crois. Parce qu'en principe, Beaubourg aussi, ça va contre l'esprit de mai, dans son côté, puisque ça a été un trou noir qui a été ouvert. On a détruit le patrimoine historique, les halles fantastiques,
pour mettre une usine bizarre. Une usine à récupération, Beaubourg, à récupération de l'intérieur. Moi aussi, j'aime bien Beaubourg. Mais l'intérieur, c'est vraiment une bibliothèque ouverte, la première de Paris, où on pouvait travailler librement, très productif du point de vue intellectuel, puisqu'on tournait librement parmi les livres, on croisait les idées, les disciplines, mais tout ça. C'est par là que j'ai commencé, en fait. Fatalité de la culture, fatalité de la culture, limite de la contre-culture. Et Beaubourg, c'est vraiment l'exemple typique de ce mouvement, c'est-à-dire que c'est une récupération, domestication de cette énergie libérée des années 68 dans une institution culturelle, mais qu'on aime, enfin que j'aime aussi fréquenter encore aujourd'hui, même si aujourd'hui il n'y a plus qu'une petite porte. Moi, je ne suis pas si vieux, mais j'ai connu quand même le temps où on rentrait par le côté, par l'arrière et par l'avant. Après, on a commencé par fermer le côté, après on a fermé l'arrière. Maintenant, il n'y a plus qu'une petite porte avec un portique d'aéroport. Vous devez mettre vos centimes d'euros dans une caisse en plastique avant de passer. C'est-à-dire, le mouvement qu'on a pu observer à Beaubourg depuis 20 ans est pas tel. Alors, pour répondre à votre question au début, c'est une interrogation qu'on s'est posée. Est-ce qu'il y a un style de mai 68 ? Ah non. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas de style, ce serait un anti-style, puisque c'est la disparition de l'auteur. C'est l'architecture au service du peuple. Donc il ne peut pas y avoir, ou peut-être le gonflable, nomadisme, une sorte de d'hédonisme, ça peut être un versant de mai 68, ou les dômes géodésiques, mais Drop City, mais ce n'est pas forcément mai 68, mais on pourrait trouver des parentés là. En revanche, je pense qu'on pourrait s'interroger sur la figure de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, après 68, est devenu une... figure de résistance. Une partie de l'architecture postmoderne que je montre là, le discours qui est tenu par les architectes à cette époque-là, qui font ces opérations, il y a celle de Jean Nouvel, il y a le collège d'Antony, là, il y a celle de Siriani en Ville Nouvelle. Le discours de Siriani, par exemple, c'est de dire qu'il est en résistance. C'est un auteur en résistance par rapport au cadre de production et qui va quand même faire de l'architecture, même si tout l'empêche d'en faire. Et ça, c'est un esprit assez 68art, d'une certaine manière. En fait, la figure de l'auteur, on a oublié le caractère bourgeois de la notion pour retenir le côté de la figure de résistance. Et le retour de l'auteur dans les années 70, pour moi, c'est une expression de l'agitation de 68, d'une certaine manière, si vous voulez. Mais toutes les périodes clivées et très conflictuelles dans l'histoire de l'architecture ont donné lieu à plein d'auteurs. Je veux dire, les constructivistes russes ont donné naissance à plein d'auteurs. La Révolution française, Ledoux, Boulez, Lequeux, c'est une histoire d'auteur. Toutes les périodes agitées... Mais avec Mitterrand, c'est un auteur à nouveau très, très lié et très dépendant du pouvoir. Oui. Je voulais poser une question par rapport au pouvoir, à l'idée du pouvoir et l'idée d'une génération comme Castro ou Potsdam-Park ou d'autres qui, comme tu as commenté, a pris le pouvoir finalement. Et l'impression, je crois que cette idée est un peu suggérée au début de la présentation, et ce pouvoir a été gardé, en disant, et qu'il n'y a pas vraiment un renouvellement générationnel où c'est très difficile de trouver la même liberté qu'ils ont pu conquérir aux années 70, aux années 90 ou aux années 2000. Ça, c'était le vernissage de l'expo Ando il y a 8 jours. Ok. Et c'est la génération mai 68. Ah oui, évidemment, tu vois bien. Il y en a un qui est mort dans la semaine, Paul Andreu. Ah. Il est mort cette semaine. Donc, les choses, les choses tourneront, mais comme il n'y a pas eu de changement de paradigme majeur, pourquoi ces gens-là se seraient-ils mis à la retraite ? Il n'y a pas eu une vraie opposition de fond. C'est aussi le malheur d'avoir eu des parents assez intelligents et permissifs. C'est difficile de se révolter contre eux.
Il y a plein de par exemple, là, j'ai pris cette caricature au printemps dernier. Les facultés étaient en grève. Toutes les images de grève des facs. Au moment où on faisait l'histoire des événements de mai 68 et au moment où il y avait une centaine de livres qui sortaient en librairie sur mai 68. C'est, la société française, elle est un peu balancée. Ça, c'est Notre-Dame-des-Landes, au même moment, la ZAD, où on faisait les cabanes. Voilà, ça, c'était le printemps dernier. C'est compliqué. Alors, monsieur, je voudrais aussi vous mettre une question. C'est la suivante. Pour moi, le 68, et je pense qu'au commencement, vous avez aussi mis cette question, a été un mouvement de contestation, plus qu'une révolution. Bon, alors, après votre présentation, et comment on a pu suivre votre exposition sur l'architecture, maintenant, je mets la question aux sociologues. L'architecture, le changement et toute la transformation dans l'architecture et l'urbanisme, ça, il y a eu une vraie révolution, parce que j'ai vu. Et maintenant, je demande aux sociologues, dans les autres secteurs et d'autres situations de la vie sociale en France, le mouvement de contestation de 68 est revenu aux antérieures conceptions. Mais je vois que dans l'architecture, il y a eu une vraie révolution. Je vous demande si le 68 n'a pas passé. Ça a été le mouvement contre l'État, comme vous avez dit, contre l'enseignement, contre les universités. Mais après, tout est passé. Tout est redevenu. La situation est revenue à ce qui se passait avant. Pas tout à fait. Par exemple, et c'est ce que je voulais dire aussi à monsieur, par exemple, la taille des opérations. Ça, c'est un élément très important de la manière de fabriquer la ville. La taille des opérations a considérablement baissé après mai 68. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut attribuer à l'événement et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'évolution des structures, de toute façon, qui aurait eu lieu. On n'aurait plus fait les grands ensembles. Je veux dire, est-ce que, par exemple, la circulaire d'Olivier Guichard, qui est ministère de l'Équipement et qui, en 1973, fait une circulaire pour stopper la fin des, enfin, pour signer la fin des grands ensembles, est-ce que c'est à cause de mai 68 que cette circulaire est signée par le ministre en 1973? J'en sais rien. En tout cas, il est évident qu'on n'aurait plus fait à nouveau ce qu'on a fait en France avant mai 68. Après, est-ce que l'événement a accéléré les choses ou est-ce qu'au contraire, il a pu les ralentir? Par exemple, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur l'espace public et qui pensent, en discutant souvent avec des élus, qui pensent que mai 68 a fait peur à un moment donné, comme si on approchait d'un précipice, et que, en fait, les espaces sont beaucoup plus ouverts dans les grands ensembles et dans certaines opérations de l'avant 68, et qu'au contraire, plus on va vers des opérations en ville nouvelle après 1968, plus les espaces publics ont tendance à se fermer et à nouveau se codifier, comme si mai 68 avait fait peur devant cette sorte d'idéal absolu de partage, de communion. C'est très difficile à dire. Hein. Et c'est, comme il est très difficile de dire qu'il y a un style de mai 68. En revanche, il y a des choses qu'on repère. Voilà, la taille des opérations diminue, les espaces publics ont plutôt tendance à se fragmenter. Après, il y a le retour de l'histoire aussi, qui est un élément important, mais là, dans l'écriture architecturale, qui est un élément important des années 70 et 1980. Bon, c'est, par exemple, il y a cette série, là, juste pour vous faire voir, parce que je la trouve toujours assez, assez cocasse. Ah, non, c'est un PC, donc c'est celui de droite. Là. C'était une série de reportages qu'avait fait
Léon Krier et Maurice Culot. Dans les AM, le bulletin des archives d'architecture moderne. Ils avaient appelé ça vertu privée et vice public. Normalement, c'est l'inverse. Vertu publique, vice privée. On fait le bien en public et on garde nos vices pour le privé. Et là, ils s'étaient amusés à aller voir où les gens habitaient. Donc, ils avaient fait toute une liste. Ils étaient allés à Berlin, après, deux numéros plus tard, puis à Luxembourg aussi. Ils étaient allés voir où habitaient les Smithson, où habitait Sterling, où habitait Cédric Price, où habitait Benevolo, Rainer Banham. Et donc, voilà, ils mettaient en lien, à gauche, la maison de Pichner, principal polémiste du mouvement moderne. Monsieur habite dans une demeure bien historique, etc. Rainer Banham, dans du victorien, bon teint. Foster, son cottage, Rogers, Peter Cook. Là, je pense que on était au bout du processus, là. On était au bout de la haine de soi. La maison de Cédric Price, enfin l'immeuble de Cédric Price, le petit château des Smithson. Là, c'était une communauté qui s'était vraiment fracturée jusqu'à l'extrême. On était au début des années 80. D'ailleurs, Léon Krier va faire une autre carrière. Hein, parce que, bon, aujourd'hui, on sait ce qu'il arrive aux immeubles, bon, malheureusement. Mais Léon Krier dit plutôt la mort que le déshonneur. Mais après, Léon Krier, on sait ce qu'il va faire. Donc, est-ce que c'est l'architecture de Léon Krier, par exemple ? Voilà, c'est une question que je vous pose. Est-ce que l'architecture de Léon Krier, c'est le style de mai 68 ? Parce que Léon Krier, c'est un vrai 68, hein, sous plein d'aspects. Sous plein d'aspects. Dans sa trajectoire, il sort de l'A School, il est très contestataire des hiérarchies, il fait ses armes chez Sterling, il le quitte. Il est gauchisant. Quand on lit le bulletin des AM, c'est un périodique très très marxiste dans les années 70, d'analyse de la ville. Alors, est-ce que ça, c'est l'architecture de mai 68 ? C'est très difficile de répondre. Merci. Et d'une certaine manière, oui, son travail sur les espaces publics, son travail sur les échelles de la citoyenneté. C'est la meilleure provocation pour clore notre soirée. Et son copain dit, Culot, en 1980, donc avant qu'il travaille... Jamais dans les projets de Léon Krier, il n'a été perçu quelque relent d'autoritarisme. Les seuls qui taxent Krier de fascisme sont ceux-là même qui collaborent et se prostituent dans un postmodernisme racoleur qui prend le relais des modes successives de l'architecture moderne, alors que c'est une esthétisation absolument réglée de toute la vie quotidienne. Tous les matériaux sont choisis, les choses sont réglées. Et en même temps, il y a un retour à une forme... Moi, si vous voulez... Je dirais qu'une partie de la génération 68, c'est aussi la génération poutre apparente. Hein. C'est-à-dire on veut retrouver la vraie fausse authenticité de l'ancien. Et on enlève le faux plafond pour retrouver les poutres apparentes. C'est typique, ou la bergerie en France, dans l'Aveyron, je ne sais pas où ça se joue, au Portugal. C'est très typique aussi de cette génération. Et cette volonté de retrouver les échelles de la ville ancienne, bon, c'est typique. Hein. Alors, est-ce que c'est une architecture 68 ? Krier est passionnant. Hein. J'en ai plein sur Krier. Il est très cultivé, il va reprendre ses modèles assez loin. Puis voilà ce qu'il fait à Luxembourg. Et voilà ce que fait la promotion immobilière en région parisienne. Au Blanc-Ménil, au Plessis-Robinson, on a cassé les cités-jardins pour retrouver des formes historicistes. Et ce sont les architectes de mai 68, pour une part, qui travaillent sur ces opérations. Maurice Culot, ils l'ont construit. C'est aussi la conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.